Il me fait plaisir de dévoiler avec vous cette plaque qui sera apposée à l'entrée du centre de documentation pour gérer la joie. Il était naturel que votre nom soit associé à cet espace qui offre de quoi mieux comprendre l'environnement qui conditionne les intérêts du Québec et y intervenir ainsi de manière éclairée. Alors, j'invite donc M. Jérôme Lajoie et Mme Gagnon Tremblay à dévoiler la plaque. Et je vais céder la parole à M. Gérard Lajoie, mais je vais tout d'abord vous lire ce qui est écrit sur cette plaque, qui est un extrait du discours que M. Gérard Lajoie a prononcé en chambre au moment où le ministère, au moment où a été adoptée la loi créant ce nouveau ministère des Relations internationales. Alors, le texte dit « Les conventions internationales sur l'éducation, le travail, la culture, les droits de l'homme et combien d'autres domaines se sont multipliés. Tout cela, le plus souvent, touche des problèmes qui sont de la compétence du Québec en vertu de la Constitution canadienne. Le Québec doit avoir directement accès à cet univers s'il veut assumer efficacement ses responsabilités dans le domaine de sa juridiction. Paul Gérard Lajoie. Madame la ministre des Relations internationales, Monsieur le sous-ministre, Mesdames et Messieurs les sous-ministres adjoints, et vous tous, vous toutes, les membres du personnel du ministère, je vous remercie, vous le comprendrez, du fond du cœur, de cet hommage qui me touche particulièrement. Il me replonge dans cette période d'affirmation de l'État québécois, de la création du ministère de l'Éducation et de la mise en place des institutions qui ont permis au Québec d'entrer de plein pied dans la modernité. Une période marquée aussi par une grande ouverture du Québec au monde. Déjà en octobre 2007, lors de la soirée commémorant le 40e anniversaire du ministère, j'ai senti toute l'importance que vous accordiez au rôle que j'ai joué dans les relations internationales du Québec dans les années 1960 et tout au cours de ma vie. Je ne vous cacherai pas que cette reconnaissance de votre part me touche profondément. Il est émouvant, vous le savez, qu'une telle entreprise à laquelle on a été associé étroitement dès sa naissance s'est épanouie et s'est développée au-delà même parfois de ce qu'on aurait pu imaginer. Vous m'en voyez très heureux. Mais aujourd'hui, je suis encore plus ému, parce que je sais que cette idée de donner mon nom à ce centre de documentation du ministère est le résultat de votre initiative. À vous tous, vous toutes, puisque le nom a été choisi par concours, c'est à vous tous ensemble qu'il est apparu opportun de poser ce geste. Je vous en suis
sincèrement reconnaissant. J'ai toujours considéré, il faut dire, la lecture comme une fonction essentielle. J'ai régulièrement référé à des textes et je valorise grandement la vie intellectuelle. Il va presque sans dire que notre action internationale exige beaucoup de connaissances, d'analyse, de réflexion. Et je suis heureux d'être associé pour les années à venir au point focal de cette fonction essentielle. Je vous félicite aussi pour cette initiative du Fonds documentaire. Cette mémoire de nos relations internationales. Je suis particulièrement heureux du fait que des partenaires privés se soient associés à cette démarche. À lire justement ce qui s'écrit, à voir ce qui se déroule sur la scène internationale, on peut raisonnablement dire, sans risquer de se tromper, que le monde, et cela inclut bien sûr le Québec, devrait faire face à des défis substantiels au cours des prochaines années. Et ceux de la croissance, les défis, et de la prospérité, dans un contexte de contraintes environnementales en particulier, de plus en plus grandes, ne seront pas les moindres. Or, de nouveaux défis, qu'ils soient sociaux, culturels, environnementaux, économiques, requièrent une action et une concertation internationale qui ne peuvent se faire sans une action québécoise distincte, laquelle s'inscrit bien sûr dans le respect de la politique étrangère canadienne. Les relations internationales d'aujourd'hui exigent la participation d'un nombre toujours croissant d'acteurs internationaux, dont certes les États fédéraux au Canada et ailleurs dans le monde. En cherchant, il y a 40 ans, on l'a bien souligné depuis quelques mois, assumer une action internationale par nécessité, en quelque sorte, pour exercer ses compétences constitutionnelles, le Québec s'est donc trouvé à l'avant-garde. Aussi, dans un monde où beaucoup de compétences et de solutions sont d'ordre mondial, un monde qui exige de nombreuses interactions avec plusieurs acteurs internationaux, étatiques, privés, ou même de la société civile, je sais que le Québec a maintenant une longueur d'avance et qu'il peut compter sur une vaste pratique de relations internationales. Le Québec dispose d'une base constitutionnelle, d'une doctrine que vous avez appelé, comme vous le savez. Le Québec dispose d'un consensus de la société québécoise autour de cette action. Il peut aussi compter, Madame la Ministre l'a très bien souligné,
sur un consensus de la société québécoise autour de cette action, de même que sur une équipe, tant ici qu'à l'étranger, où on nous écoute par les moyens électroniques actuellement. Ici, à l'étranger, et tout ce personnel qui a désormais